C'est tourpeau ici, la surveillance. Belle intrusion pour un espion rejeté repenti. Stop! Restez où vous êtes! Échec de la mission, échec! Génial la vie universitaire. C'est méga oh là là. Un appartement sublime. Mais le programme des cours est plus cool qu'au lycée. Et on a plus de temps libre qu'avant. Alors par quoi on commence? Bronzage sur la plage, visite du centre commercial, expo d'art. Moi je suis partante pour tout. Mais avant regardons si nous avons du courrier. Bonjour mesdemoiselles, comment allez-vous? On allait bien avant que vous nous terrorisiez. Merci Jerry. On peut savoir ce que vous faites là-dedans? Je vous apporte votre facture mensuelle. C'est la somme due pour votre hébergement. Notre hébergement? De quoi vous parlez? Je parle de votre appartement. Vous ne pensiez pas vivre dans un tel luxe sans participer aux frais? Eh bien, à vrai dire, nous pensions que de vous pourrait... Pas question de privilège. Je vous ai donné la note. Vous avez jusqu'à la fin du week-end pour la régler. Dans la vie, tout a un prix. Alors retroussez vos manches et haut les cœurs. Oh là là, j'ignorais que faire des études universitaires pouvait revenir aussi cher. Puisqu'on a des frais à assumer, on va devoir travailler à mi-temps. Non, je ne veux pas travailler. Non. Regarde les choses en face. Si on veut garder notre appartement, il va bien falloir faire un petit effort. Un gros effort. Prête? Charles, à la caisse. Alex, au service, le vin, la machine à café. Des questions? Oui, quand est-ce qu'on sera payé? Quoi? Quand vous aurez travaillé un minimum. Allez au boulot, quoi. Je vous informe qu'on a aboli l'esclavage. Vois le bon côté des choses, on a droit à des boissons gratuites à volonté. Oui, et après tout, ce travail n'est pas si terrible, Clover. Un petit cappuccino, le blé et à la vitesse du sang. Qu'est-ce que vous faites là, les bécasses? À ton avis, on a été admise à l'université et on a cru être débarrassée de toi. La question est plutôt, qu'est-ce que toi, tu fais à l'université? Tu serais mieux dans un vivarium avec les vipères. Elle s'est inscrite ici quand elle a appris que vous y étiez. Ailleurs, vous lui auriez bien trop manqué. Quoi? Je vous présente ma cousine, Mindy. Combien de temps on va attendre nos consommations? Le service laisse à désirer. D'accord, et là, vous voyez encore le bon côté des choses, les copines? Si on sert ces deux cafards, je sens qu'on va faire une crise d'urticaire géante. Désolée, Virgile, mais on va s'arrêter plus tôt aujourd'hui. Bah, vous venez de commencer? Le premier jour, mieux vaut ne pas se surmener. À demain! À bientôt, les bécasses! Déjà, avoir une Mandy qui gâche le paysage, c'était total burk. Et maintenant, on va en avoir deux à supporter. Avec ces deux dindes sur le campus, on va se croire dans une basse-cour. Ce serait bien si Jerry avait une mission à nous confier. Rien de mieux pour se changer un peu les idées. Oh, regardez, ils viennent d'ouvrir un cours d'initiation à l'espionnage. Oui, incroyable. Maintenant, on enseigne l'espionnage à l'université. En tant qu'experte en la matière, on devrait facilement avoir un A. Allez, super, on s'inscrit. C'est un peu bizarre quand même d'avoir cours. Le prof doit le faire exprès. Il met les élèves dans le décor pour qu'ils se familiarisent avec l'angoisse. Sa stratégie fonctionne. Oh là là, je suis pas rassurée, moi. Peut-être qu'avoir un A ne sera pas si facile en fin de compte. Et apparemment, le prof n'est pas encore sur les lieux. Évitez toujours les conclusions hâtives, apprenti espionne. Bienvenue au cours d'initiation à l'espionnage, professeur Frémont, agent secret internationalement connu. Prête pour le premier cours? Alors on attaque! Oh, quelle maîtrise spectaculaire! On croirait que vous avez déjà une très longue carrière d'espionne derrière vous! Une très longue carrière à notre âge? Est-ce que j'ai l'air d'être proche de la retraite? C'est très flatteur, mais nous sommes d'humbles débutantes! Ça ne fait rien, vous devriez pouvoir assumer l'exercice pratique auquel je vais vous soumettre! Un exercice? De quoi s'agit-il, monsieur? De renouveler une mission célèbre dans l'histoire de l'espionnage. Partant? Oui!
Oh là là, des travaux pratiques, c'est du sérieux avec vous, professeur. Dans une bonne université, les cours sont de haut niveau. Je vous explique l'exercice. Il y a 20 ans, lors d'une mission appelée Opération Vautour, un agent double a infiltré une forteresse sous haute surveillance comme celle-ci et y a volé une arme très puissante sans se faire repérer. L'Opération Vautour est considérée comme la mission la plus spectaculaire jamais réalisée. Non, c'est non. Et nous, quel sera notre rôle? Comme lui, vous infiltrerez cette forteresse et prendrez l'arme entreposée. Vous soyez aussi efficace que cet espion l'a été. Attendez de nous voir à l'œuvre avant de juger. Alors, les filles, prêtes pour la petite séance de travaux pratiques? C'est waouh de faire un test d'aptitude sur le terrain. La simulation est réussie, le décor est réaliste dans le moindre détail. Le prof a assuré. Oh, il a même engagé des acteurs pour jouer les gardes. Et d'excellents acteurs, on y croirait. Et on connaît ce scénario par cœur, par ici. Oh, ça marche toujours, la vieille feinte de l'échapper par la gouttière. Très bonne technique. On n'a plus qu'à se glisser discrètement à l'intérieur. Oh, la fausse arme doit être dans cette malle. Comment on la prend avec tous ces faux gardes? Je viens d'avoir une idée, Clover. Il va falloir que tu changes de tenue. D'accord, qu'importe, tous les styles me vont à merveille. Non, pas comme ça, le professeur Frémont nous regarde. Fais attention. Ah oui, c'est vrai. Eh bien, dans ce cas, utilisons la méthode traditionnelle. Enlèvement discret. Là-haut! D'accord, je pense qu'il est raté l'enlèvement discret. Vas-y, Alex, tu peux nous tracter! Désolé, mais on est déjà au complet, monsieur! C'était trop facile! Il va falloir que le prof relève le niveau. On n'a même pas pris le risque de perdre un cycle. Oui, je me suis presque ennuyée tellement ils étaient enfantins, ces travaux pratiques. Dernière étape du devoir, livraison express et c'est réglé! Excellent travail, félicitations, vous méritez un A+. Copine, vous l'avez pas trouvé galactical, la mission d'hier soir? Ah oui, c'était waouhissime. Fausse intervention, pas de pression. Cela dit, j'ai du mal à comprendre la joie du prof au moment où on lui a livré la malle. C'était bizarre. Il a réagi comme si elle contenait une chose de très grande valeur. Il devait seulement être très heureux d'avoir trois étudiantes aussi douées dans sa classe. Les parleurs, plus en geste. C'est quoi ces manières? Du week-end pour régler? Attends, je crois que c'est pas une visite des agents du groupe en fait. Ouais, t'as raison, Sam. Vaut mieux filer. Pas si vite, mesdemoiselles. Qui êtes-vous? Et qu'est-ce que vous nous voulez? Je suis Monsieur Franklin, le directeur de l'université. Et ces agents du gouvernement sont venus vous arrêter pour le vol du projet Inflatus. Le projet Inflatus quoi? Ne faites pas l'idiote avec moi, jeune fille. Où est l'arme fatale? Je vous assure qu'on ne sait pas de quoi vous parlez. Une seconde, vous faites allusion à la malle qu'on a livrée au professeur Frémont hier soir? Au professeur Frémont? Il donne les cours d'initiation à l'espionnage. Il n'y a ni professeur Frémont ni cours de ce genre dans cette université. Menottez-les! Mais monsieur, on vous a dit la vérité, croyez-nous! Et vous, croyez-moi, vous êtes officiellement renvoyé. Fini les études chez nous! Fini? Mais on vient juste de commencer! Qu'est-ce que c'est que tout ce bruit? Vous nous avez dérangés en pleine méditation! Eh? Ah, alors ça y est, la police de la mode vous arrête enfin pour manque de jour! Moi, je vais aller réserver ce superbe appartement vu qu'il va être disponible! Il est à nous! Je m'en remets pas, cette histoire m'a démoralisée. Oh, moi ça me rend folle de rage. L'idée que Mandy et son atroce cousine sont en train d'essayer de nous voler notre bel appartement me donne envie de hurler. Clover, ce qui met Alex dans cet état, c'est plutôt que nous on ait été arrêtés pour vol. Oui, et le pire de tout, c'est qu'on nous accuse à tort. Oh, pas sûr, plus j'y pense, plus je crois qu'on a effectivement commis un vol.
Ça va pas, non? C'était une simulation, le prof nous a fait faire un exercice et on a brillamment eu de mal à ça. Ou peut-être que c'était un plan soigneusement élaboré pour nous amener à voler une vraie arme au profit d'un faux professeur. Ouais, on a mieux à faire que d'enseigner à la fac quand on est un agent secret internationalement connu. C'est vrai, et s'il est aussi célèbre que ça, pourquoi on n'en a jamais entendu parler? On risque de très graves ennuis. Il faut appeler Jerry tout de suite. Non mais les filles, vous êtes en retard. Il faut passer la serpillière, faire cuire les cookies et mousser les cappuccinos. Oh, salut Virgile, on a attrapé un très très gros rhume. Alors, on peut pas venir aujourd'hui. Quoi? Vous me laissez tomber? Mais c'est que vous... Désolée, je te laisse, le médecin sera là dans une seconde. Oh, il avait l'air très fâché, pourvu qu'il nous renvoie pas. Bon, on verra ça plus tard. Contactons le Whoop en urgence. Bonjour les Spice. Avez-vous le montant du loyer? Pour ça, vous devrez attendre un peu. On a un problème majeur. Oh, misère. Mes Spice vous rejoint en un éclair. Restez où vous êtes. On n'a pas le choix. On est coincé dans ce trou. À la vitesse de l'éclair et dans un bruit de tonnerre aussi. Et hop là. Ah, enfin le voilà, le terrible instrument de ma vengeance. Bon. Faisons un petit test. Puis il a dit... Il n'y a qu'une université. Il y en a un. Et là, ça a été le drame. On nous a menottés. Il a orchestré un plan machiavélique. Et cet imposteur nous a menti sur toute la ligne. J'ai la confirmation qu'il n'y a jamais eu d'opération vautour. Alors c'était l'opération Sam, Alex et Clover croient naïvement ce qu'on leur dit. Apparemment, oui. Et tant que vous y êtes, renseignez-vous aussi sur le parcours de cet homme. En fait, il n'était internationalement connu que pour son incompétence. Personne n'a voulu l'intégrer à ses équipes. Il s'est fait éjecter par toutes les agences d'espionnage de la planète. Sur son livret, le professeur Fremont n'a eu que des E comme échec. Maintenant, il reste une chose à éclaircir. Qu'est-ce que nous avons volé dans cette forteresse? Flatus. Oh, c'est le nom que notre directeur a cité. Et qu'est-ce que ce projet projette de faire? Tout ce qu'on demande à cette arme de haute technologie, qui est classée top secret, est de multiplier par plus de 100 la taille et le volume des objets. Bon, on sait ce que contenait la malle. Reste à trouver ce que Fremont veut faire de cette arme. Sans doute augmenter les proportions de son orgueil qui est déjà surdimensionné. Oh, un tremblement de terre! Ce n'est pas un tremblement de terre. Les détecteurs sismiques du Whoop signalent que la masse de la planète vient d'augmenter de 200%. Maintenant, on a compris. Fremont utilise l'engin qu'on a volé pour agrandir la surface de la Terre. Mégalactica, la surface des plages a donc augmenté de 200%. Ah, croyez-moi, Clover, cela peut avoir des conséquences tragiques. Grâce au signal de l'engin, j'ai localisé Fremont. Il opère depuis votre fac. On doit le neutraliser avant que la Terre explose comme un ballon. Il va vous falloir des gadgets. Prenez le stylo à encre explosif autopropulsé, le chewing-gum hypergonflable et les clés du jet du Whoop. Vous trouverez à bord des casques autonomes. J'adore les jets. Ah, celui-ci est réservé à l'usage professionnel, pas à la visite touristique de Paris. Bonne chance. Voilà la caverne de Fremont. Pose-toi, Alex. Super, ces casques, on débarque les cheveux secs. Le tien est percé, tu frises. Non, je plaisantais, t'as évité cette tragédie. La voilà, la machine infernale que Jerry nous a montrée. C'était ça l'origine du séisme. Fremont vient de faire un test. Pas étonnant que vous ayez été aussi performante hier. Mes élèves débutantes sont de vraies espionnes. Vous nous avez caché que vous étiez expert en escroquerie. Vous avez choisi la spécialité mensonge, on dirait. On vous dispense de cours. Prenez vos congés dans la confortable prison du Whoop, professeur. Vous pensez que je vais renoncer à me venger en faisant exploser la Terre? Oh, quel humour, quelle plaisanterie, c'est drôle. Vous êtes prêt à vous détruire aussi pour prendre votre revanche? Négatif, je me contenterai d'admirer ce cataclysme en toute sécurité à point que j'ai construit. Il est presque au top. Rajoutez quelques boulons, puisque vous n'êtes ni professeur, ni... Ni ingénieur en aéronautique, à part vous vanter. Que ça veut vous faire, Roger? M'approprier les équipements des autres. Vous voleriez notre jet? Si j'étais vous, j'éviterais de contrarier Jerry, parce qu'il aime pas qu'on lui emprunte ses petites affaires. Pas de souci, monsieur, je rate tout ce que j'entreprends. Non,
désolée, j'ai encore une belle leçon à vous donner. C'est honteux d'utiliser une gentille créature aquatique contre nous. Relâchez-nous. Soyez patiente, vous n'en avez plus pour longtemps. Si mon arme fatale ne vous élimine pas assez vite, la marée montante se chargera du travail. Allez, bonne baignade. Oh, ça rend claustro, parce qu'on est à l'étroit dans ce coquillage. Mais comment le mollusque qui est à l'intérieur supporte de vivre dans si peu d'espace? Poisse. Ah, ça y est, j'ai attrapé le chewing-gum hyper gonflable. Clover, ouvre la bouche. Oh, ça me dégoûte. Je sais pas quel parfum il est, ce truc-là, mais c'est du genre vieille éponge. Ah, oh, je parie que Jerry a choisi en fonction de ses propres goûts. Clover, on n'a pas de temps à perdre. Allez, vas-y, fais comme s'il était à la framboise et mâche. Et peut-être que le Whoop te fournira un dentifrice hyper performant qui neutralisera ton haleine fluide. Non, tu aurais. Mais j'exigerai aussi une nouvelle brosse à dents. Et maintenant, rattrapons ce tricheur. Regardez, Raymond a attaché l'inflatus sous le ventre de notre jet. Et il commence à exécuter son plan. De croissance et c'est pas fini. Ces espions ont du ressort, mais elles ne sont pas de taille à rivaliser avec moi. Elles ont seulement du talent. Moi j'ai du génie. La situation est complètement inflatus. Le monde explosera dans quelques minutes. Ah bon, mais on est au courant. C'est super que le gratte-ciel ait grandi. Ouf, plus d'hologramme de Jerry. Génial, c'était déjà pas facile et en plus il faut faire attention de ne pas finir en grillade. Aucun danger pour neutraliser ce rayon, j'ai le gadget adapté, le stylo plume explosif autopropulsé. Oui, ça j'en avais le pressentiment. Tiens, passe-le-moi, je vais essayer. Aucune rivale ne réussira à saboter ma mission. Un petit duel entre espions s'impose. Oh non, l'inflatus est à nouveau opérationnel. Il continue à faire des ravages. Je viens d'avoir une idée. Je sais comment en terminer avec lui. Suivez-moi. On va contre-attaquer avec des beignets. Exactement, oui. Coucou, la fête, c'est là. Jerry, on a un scoop, un délicieux beignet à neutraliser le super jet du Whoop. Excellent travail, mesdemoiselles. Nous avons ramené la Terre à ses proportions normales. Il ne nous reste plus qu'à rendre l'arme à ses propriétaires. Oh, laissez, on va s'en charger. On a tout notre temps maintenant, puisque le directeur de l'université nous a renvoyés. J'ai le plaisir de vous annoncer que j'ai réussi à aplanir les choses en discutant avec lui. Vous pouvez reprendre immédiatement vos études. Ce que vous appelez aplanir en discutant, c'est bien effacer quelques parties de sa mémoire? Sans commentaire. Je vous informe aussi que le Whoop prendra désormais en charge le loyer de votre loft. Autrement dit, je vous en fais cadeau. À propos de ça, il est possible qu'entre-temps, les deux pestes Mindy et Mandy aient réussi à se l'approprier. Prête à argumenter avec énergie? Pas dépossédé sans se défendre. Ouh. Personne en vue, on s'est fait des idées. Pas de soucis, Virgile, nous voilà d'attaque pour reprendre le travail. Oh, je ne me fais aucun souci. Tout va très bien, je vous ai déjà trouvé des remplaçants. Les bécasses, vous vous êtes procuré un passe-partout? C'est dommage pour vous d'avoir perdu un travail avec tant d'avantages. Toutes ces boissons gratuites. Désolée, mais même si on n'a plus besoin de gagner de l'argent, c'est notre travail. Virgile, est-ce qu'il te
cadeau qu'on t'a apporté. Le petit cadeau? J'ai jamais vu un aussi gros grain de café. Je vous réengage tout de suite, fille. Alors de l'air, on vous remplace, les remplaçantes. Yeah.